sa président dame ni sa, sa président homme ni sa. Foi sa fin mouille, foi sa fin croise, choisis dans ça. Il est foi fin croise, il est foi fin mouille, ou pas au capable de l'élever, s'il est faux, que l'on doit juger avec eux, pour faire connaître, pour faire jeûner ensemble avec eux, parce que c'est un ennemi qui a fait cela. Vous pouvez briser l'esprit de mon ça. Mais vous même nous reconnaître, mais vous même souvent quelque chose. En tant que leader, vous devez venir, vous devez entrer dans la chaîne ensemble avec vous. Non, quelques jours de chaîne pour prier ensemble avec vous. Et ça, vous êtes capable de cause adultère, cause ma tête bonne, bagaille dans le foyer. Mais en tant que leader, vous devez qu'il y ait mes mains. Vous êtes capable de faire, qu'il y ait mes mains. Parce que vous êtes capable de faire. Problème pour ce problème, moi. Si nous parlons ensemble, problème ou c'est problème moins. Vous avez des jeunes filles à ouvrir, vous avez des messieurs mariés, vous avez des jeunes garçons, ça arrive au bagage, ils vont la endurer, soit qu'ils ont famille, soit qu'ils ne peuvent pas payer, soit qu'ils ont un problème, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas mettre la sous lui. Problème ça, c'est problème où? Parce que ça constitue la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, lui constitue un élément essentiel de la vie de l'église primitive. La même chose. Amen. La communion fraternelle, lui c'est un élément clé, un élément important dans l'église de Dieu. Pour la perfection du corps de l'église. La même chose. Amen. Problème ou c'est problème? Ou nous devons aider. Parce que la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Aidez les uns les autres. Encouragez les uns les autres. Il va dire s'encourager réciproquement. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11. Soutenez les uns les autres. Romains 12, le verset 10. La Bible dit alors. Nous allons-nous ensemble, nous devons pardonner les uns les autres. Vous devez pardonner frère tel, vous devez pardonner sur un tel. Ils te font bagaille, en même temps nous pardonnons, nous devons pardonner. Pas de discorde dans le nous, pas de division dans le nous. Parce que nous parlons, on chaque côté. Pour nous aller, on chaque côté. Faut division épargner, faut division bannir dans le nous. Parce qu'il faut que nous allions ensemble. Mais division qui a empêché nous aller ensemble. Et pour nous croyons dans les divisions, nous ne pouvons pas aller ensemble, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Sur le plan physique, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Sur le plan spirituel, nous ne pouvons pas aller ensemble. Dans la jeunesse, s'il y a une division, s'il y a toute dispute, nous ne pouvons pas aller ensemble. Ah, c'est à faire quoi? C'est à faire pas, mais pas nous. La paix, mon Dieu, à mon église. L'apôtre Paul m'a dit, dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, nous devons pardonner les uns et les autres. La paix pour Dieu. Amen. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et bien, maintenant, nous devons veiller l'un sur l'autre. Pour nous aller ensemble, nous devons veiller l'un sur l'autre. La paix pour Dieu. Veillez sur le frère, veillez sur ce frère. Pas parler mal. Vous avez le fond bagaille. Pas la faire, relève. Vous avez le fond bagaille, pas la faire, relève. Dans le moment de faiblesse, vous êtes capable de tomber. Dans le moment pas qu'à la prière, c'est le salaché à parler. Relève, pas la faire. Pas parler mal, pas faire de pile pour sur lui. Parce que faut aller ensemble. Pas qu'à l'hypocrisie dans le temps. Si nous allons ensemble, pas qu'à des bagages, ça nous le parlions, nous le faisons disparaître au milieu de nous. La paix, mon Dieu, ma gloire. Eh bien, allons-nous ensemble, là. Ça veut dire, moi-même, en tant que président de la jeunesse, nous sommes pour toi, jeune. Nous sommes pour toi, comment est-ce que pendant la période, ça nous sommes pour toi,